Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de l'opération Manbrace. Et donc, OVNI. L'opération Manbrace s'est déroulée en Europe de l'Ouest du 14 au 25 septembre 1952. Il y a eu beaucoup d'observations d'OVNI pendant de grandes manœuvres de l'OTAN. Ces observations sont faites par des membres d'équipage des porte-avions, mais aussi par l'armée de l'air britannique. Au cours d'une année qui a été dominée par les informations faisant état d'observations d'OVNI, les responsables du Pentagone ont à moitié plaisanté avec le renseignement naval qu'ils devraient garder un œil sur les extraterrestres pendant les exercices de l'OTAN. Du moins, c'est ce qu'a déclaré Edward Ruppelt, un Américain. C'était aussi le capitaine de l'Air Force en charge des enquêtes top secrètes sur les ovnis du projet Blue Book. Mais il s'avère qu'il n'avait pas tout à fait tort. Personne ne s'attendait vraiment à ce que les ovnis se manifestent, a écrit Ruppelt dans son livre en 1956, The Reports on Unidentified Flying Objects. Néanmoins, encore une fois, les ovnis ont été imprévisibles. Ils étaient là. Cette opération était une opération navale à grande échelle. Et elle a attiré apparemment l'attention de plusieurs ovnis et objets submergés non identifiés, ou objets aquatiques non identifiés, selon le nom qu'on leur donne. Plusieurs témoins militaires crédibles les ont vus, et des rumeurs disent que le général Dwight Eisenhower était également présent. Baptisé Opération Manbrace, cet exercice naval organisé par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, donc l'OTAN pour faire plus simple, impliquait des forces armées des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, du Danemark, de la Belgique et des Pays-Bas. En tout, environ 80 000 hommes à bord de 1000 avions et 200 navires ont participé à une démonstration de force destinée à démontrer l'efficacité de l'OTAN en cas d'attaque de l'Union soviétique en Europe occidentale. Bien sûr, cette opération massive a attiré l'attention de tout le monde à proximité, et apparemment, tous n'étaient pas humains. Les deux premiers incidents vont se produire au cours de la première journée de manifestation. Le 13 septembre 1952, le destroyer danois Will Moss, qui participe aux manœuvres et qui se trouvait au nord de l'île de Bornholm, va être témoin d'un ovni. Du moins, l'équipage va apercevoir un ovni. Ce personnel naval n'était pas le seul, car il y a eu aussi celui de plusieurs navires de l'Atlantique qui ont donné des rapports sur un grand ovni en forme de triangle bleu-vert volant à basse altitude, à une vitesse d'environ 1500 mètres par heure. Peu de temps après, trois ovnis ont été repérés volant dans une formation triangulaire à une vitesse similaire. Ils ont laissé derrière eux une traînée visible sous la forme d'un échappement de lumière blanche. Dans une lettre qui était adressée à un enquêteur sur les ovnis des années plus tard, Lee Twin va raconter qu'il est allé sur le pont et qu'il a plaisanté avec d'autres correspondants de journaux qu'il venait de tirer sur une soucoupe volante. Cela a alors attiré l'attention du directeur général du navire, qui a alors informé Lee Twin qu'aucun ballon météo n'avait été lâché ce jour-là. L'officier a alors ensuite communiqué par radio au Midway, qui est le seul autre navire qui était à proximité, et celui-ci a également confirmé qu'aucun ballon météo n'était en l'air ou n'avait disparu. En d'autres termes, le ciel au-dessus de cette flotte navale de l'OTAN a été très soigneusement observé et rien n'a survolé sans avoir pu être observé.
Et Litwin a ajouté « Je savais que j'avais pris une photo de ce qui ressemblait à une balle de ping-pong de 10 pieds au-dessus de ma tête. » Ruppelt et l'équipe du projet Blue Book ont effectué un suivi. Ça reste à prouver. Auprès de la marine et ont interrogé des membres de l'équipage du poste de pilotage. Certains ont rejeté l'hypothèse de l'OVNI et ont dit que c'était un ballon météo, tandis que d'autres avaient des doutes. Ruppelt a d'ailleurs écrit « Il voyageait trop vite et même s'il ressemblait à un ballon à certains égards, c'était loin de ressembler aux centaines de ballons que l'équipage avait vu lancer par les aérologues. » Durant la semaine qui a suivi, 4 autres observations ont eu lieu. L'observation la plus déroutante, c'est celle qui a peut-être relancé à elle seule l'intérêt de l'armée britannique pour les ovnis. Cette observation a été rapportée par une demi-douzaine d'officiers d'équipage de la Royal Air Force, qui était basée à Topcliffe, dans le Yorkshire, en Angleterre. Cela s'est passé le 19 septembre, alors qu'un avion de chasse britannique, Meteor, revenait à l'aérodrome de Topcliffe. Après des exercices au-dessus de la mer du Nord, lorsque l'avion est descendu à 5000 pieds, l'équipage au sol a alors repéré un objet circulaire argenté qui voyageait à plusieurs milliers de pieds au-dessus du météore. Mais il était exactement sur la même trajectoire. Dans un rapport qui est conservé aux Archives nationales, le flight lieutenant de la Royal Air Force, John Kilburn, du 269e escadron, a déclaré que l'objet a alors commencé à descendre vers le météore, se balançant dans un mouvement pendulaire, semblable à une feuille de sycomore qui tombe. Au début, Kilburn pensait qu'il s'agissait d'un parachute ou d'un capot moteur qui s'était détaché du jet. Puis, soudainement, l'objet s'est arrêté dans les airs, a tourné sur son propre axe et s'est envolé à des vitesses incroyables au-dessus de l'horizon. Kilburn rapporte « L'accélération était supérieure à celle d'une étoile filante. Je n'ai jamais vu un tel phénomène auparavant. Les mouvements de l'objet n'étaient identifiables avec rien de ce que j'ai vu dans l'air. » Il se souvient également. Tout à coup, il a accéléré à une vitesse incroyable vers l'ouest, environ au sud-est, avant de disparaître complètement. Tout cela s'est produit en l'espace de 15 à 20 secondes. Les mouvements de l'objet n'étaient pas identifiables avec tout ce que j'ai vu dans l'air et le taux d'accélération était incroyable. Contrairement aux précédentes observations d'OVNI gardées secrètes par la Royal Air Force et la Royal Navy, l'observation de Topcliffe a été divulguée à la presse. Bien sûr, il y a eu de la publicité, on va dire pas dans un bon sens, qui a entouré cet incident de Topcliffe et qui a mis le renseignement militaire britannique dans une position un peu compliquée. Car il ne pouvait pas ignorer les questions de la presse, mais il n'était pas non plus intéressé par une enquête sérieuse sur les ovnis. Et ils avaient déjà emprunté cette route. À la suite de l'observation de Topcliffe et de la couverture médiatique qui en a résulté, le renseignement militaire britannique a été contraint de reconnaître officiellement l'OVNI, selon Ruppelt du projet Blue Book. En 1953, le ministère de l'air britannique a établi un bureau OVNI au sein de la direction adjointe du renseignement connu sous le nom cryptique AI-3. Dès lors, toutes les observations inexpliquées par le personnel militaire britannique seraient contrôlées en interne, classées comme restreintes et non partagées avec la presse. D'ailleurs, j'ai pu vous trouver une traduction d'un article de journal de l'époque. Il est intitulé « Une soucoupe volante rejoint l'opération Manbrace ». L'article dit ceci. Une soucoupe volante s'est introduite dans les manœuvres Manbrace aujourd'hui, d'après un rapport de la base de la RAF de Topcliffe, disant qu'un objet blanc a été vu qui a accéléré à une vitesse supérieure à celle d'une étoile filante.
Les officiers de l'ARF au quartier général de Menbrace à Pittravi, dans le Fifeshire, ne disent pas quelle position a été adoptée concernant ce rapport. Un porte-parole de l'ARF a refusé de commenter lui-même si le rapport a été considéré comme sérieux ou non. Il a ajouté que le rapport était en cours d'étude. Le rapport a amené à placer une soucoupe de la NAAFI sur le terrain de l'exercice. La soucoupe, attachée avec des rubans, a été placée sur la parcelle de terrain à côté d'un panneau Topclive. Et le contrôleur de service de la RAF à Pittravi a ouvert un nouveau dossier sous la désignation Observation de soucoupe et mouvement, où il pourra classer d'autres observations de l'objet. L'objet a été vu par environ 10 officiers de l'ARF et leurs hommes, ainsi que par les équipages d'avions de Shackleton qui étaient en opération à partir de Topclive. Le rapport dit que ce qu'ils avaient vu a été transmis par l'officier du renseignement à Topclive vers les quartiers généraux de la marine à Pittravi et vers les quartiers généraux du commandement côtier à Northwood dans le Middlesex. Le rapport a indiqué que l'objet a été vu à 10h53 du matin quand un avion Meteor volait à 5000 pieds et était en train de descendre. Un objet blanc a alors été vu 5 miles au nord de l'avion à approximativement 15 900 pieds. Il se déplaçait à une vitesse comparativement réduite sur une trajectoire similaire à celle de l'avion. L'objet était de couleur argentée et circulaire et il a maintenu une vitesse lente vers l'avant avant de commencer à descendre en se balançant comme un pendule. Il fut d'abord envisagé par ceux qui l'avaient vu qu'il s'agissait d'un parachute ou d'un débris de météore. Mais un porte-parole de la RAF a dit aujourd'hui qu'aucun météore ou parachute n'était tombé à proximité de la station. Le rapport a signalé que l'avion a tourné vers Dishforce et que l'objet, toujours tout en descendant, semblait le suivre. Il a alors commencé un mouvement rotatoire autour de son propre axe, mais il a soudainement accéléré à une vitesse incroyable dans la direction de l'ouest, puis a tourné vers le sud-est. Ceux qui l'ont vu ont déclaré que ces mouvements n'étaient pas identifiables avec quoi que ce soit qu'ils aient vu dans les ciels et que l'accélération était supérieure à celle d'une étoile filante. La durée de l'incident fut entre 15 et 20 secondes. L'objet a été vu par le Flight Lieutenant Kilburn, le Flight Lieutenant Cybulski, qui sont deux capitaines qui étaient dans l'avion, par F.O. Paris, mais aussi par le master signaleur Thompson et par environ 6 autres membres de l'équipage aérien. Comme vous l'aurez compris, c'est cette apparition du 19 septembre 1952 qui va faire le plus parler d'elle et peut-être même valider ce qui va suivre. Car ce n'était que le début de tout cela. En effet, l'opération Manbrace n'était pas encore terminée. Et si je vous disais que ça continuait le 20 septembre? En effet, le 20 septembre, le vaisseau amiral de l'opération Manbrace, qui était l'USS Franklin D. Roosevelt, qui est un porte-avions de classe Midway de 45 000 tonnes, a eu aussi des visions d'objets circulaires. Plus précisément, c'est un photographe de presse du nom de Wallace Litwin qui se trouvait à bord de l'USS. Et alors qu'il était en train de prendre des photos d'avion, il s'est rendu compte qu'un autre objet circulaire était alors apparu au-dessus de la flotte. Il a réussi à prendre 3 photos de l'OVNI, alors que celui-ci effectuait des manœuvres impressionnantes. Les photographies en couleur ont été ensuite examinées par des officiers du renseignement de la marine, mais les résultats n'ont jamais été rendus publics. Au cours de ses investigations, le capitaine Edwin Ruppelt s'est vu montrer les photos, déclarant qu'elles se sont avérées excellentes. À en juger par la taille de l'objet sur chaque photo successive, on pouvait voir qu'il devait se déplacer rapidement. Cependant, nous n'avons pas bien sûr les photos. Et ça ne m'étonne guère que les résultats n'aient pas été rendus publics. Je pense que ça ne vous étonne pas, vous non plus. Mais ce n'est pas terminé encore,
Et oui, quand il y en a un, il y en a deux, trois, quatre, cinq peut-être, que sais-je. Car il y a encore eu une observation le lendemain. Et encore une fois, un photographe était présent. Mais malheureusement, là encore, bizarrement, les photos qui ont été prises n'ont jamais été rendues publiques. Ce même jour, cette fois-ci au Danemark, trois officiers de l'armée ont vu un ovni vert à 19h30. Il s'agissait d'un disque brillant à l'aspect métallique qui est passé au-dessus de leur tête, qui faisaient partie de la direction de la flotte. Et il a disparu dans les nuages à l'est. Passons au 21 septembre. Eh oui, le 21 septembre, six pilotes britanniques qui volaient en formation au-dessus de la mer du Nord vont repérer un objet sphérique brillant qui va s'élever de l'eau et qui va s'approcher de leur emplacement. Les pilotes se sont bien sûr lancés à sa poursuite, mais l'OVNI a rapidement disparu. Sur le chemin du retour à la base, l'un des pilotes a remarqué que l'objet les suivait à nouveau. Il s'est retourné pour aller le chasser, mais encore une fois, il a filé. À peu près au même moment, il y a eu une grande panique à la Royal Air Force Sandwich dans le Kent, en Angleterre. Tous les opérateurs de radar regardaient leur écran avec incrédulité. Leurs instruments avaient détecté un énorme engin non identifié, de la taille d'un navire de guerre, ce qui n'est pas rien, et qui planerait à une haute altitude au-dessus de la Manche. Et comme quand il n'y en a plus, il y en a encore, continuons. Car apparemment, pendant cette opération Manbrace, les ovnis avaient vraiment envie de se montrer. Le 27 et le 28 septembre, dans toute l'Allemagne de l'Ouest, le Danemark et le sud de la Suède, il y eut de nombreux rapports d'ovnis. Un objet lumineux avec une queue de comète a été visible pendant une longue période de temps, se déplaçant irrégulièrement près de Hambourg et de Kiel. À une occasion, trois objets satellites ont été signalés se déplaçant autour d'un objet qui était beaucoup plus grand. Et il y eut aussi un objet en forme de cigare se déplaçant silencieusement vers l'est qui a été signalé. Au final, à la fin de l'opération Manbrace, des dizaines de militaires et de civils avaient été témoins de ces événements extraordinaires. Les qualifications des témoins et la confirmation radar excluaient tout ce qui pouvait être gaz de marée, ballon météo, ballon sonde si vous préférez, ou encore la planète Vénus. Une enquête approfondie a eu lieu par la suite, mais les résultats sont toujours tenus secrets. Les rumeurs disent que le général Dwight Eisenhower était à bord du FDR pendant l'opération, ce qui signifierait qu'il a été exposé au phénomène OVNI avant de devenir président, et aurait conclu un accord avec des extraterrestres. La plupart des chercheurs sur les OVNI s'accordent sur la cause de ces multiples observations. Pour eux, il semblerait que le grand rassemblement de forces ait attiré l'attention des ovnis, ce qui sert à renforcer la croyance que nous sommes surveillés. Toute documentation disponible sur ce sujet a circulé entre l'US Navy et l'Air Force Intelligence, la RAF et l'OTAN. Mais peu d'informations ont été publiées et à ce jour, ces observations restent toujours inexpliquées. Je crois que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous savez que pour me le montrer, vous pouvez tout simplement liker, ajouter un petit commentaire, rien que pour me faire un petit coucou, ça serait super sympa. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine.